ce soir. Quand est-ce que tu vas sortir de ce désert? Quand est-ce que tu vas sortir de cette incrédulité qui s'attache à toi? La présence de Dieu tarde toujours dans ta vie. Tu te poses la question, pourquoi ma vie spirituelle a changé? Pourquoi? Ce soir, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. En allant, tu vas juste incliner ton visage à terre. Tout en se posant la question, si tu as vraiment la foi en Jésus. Car la foi n'est pas seulement par les lèvres, mais les actes que tu poses devant Dieu et non devant les hommes. Lève la voix, commence à prier pour toi. Dis à Dieu de t'aider à ce que ta foi puisse augmenter, à ce que, quand elle va augmenter, ce que tu espérais longtemps puisse s'accomplir dans ta vie. Que ce soit la santé, que ce soit la prospérité, que ce soit la joie que tu as perdue, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants. Commence à prier pour toi. Commence à déclarer. Commence à déclarer au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi ce soir. Seigneur, je connais, Seigneur, je reprends ma relation avec toi. Je te prie ce soir, éternel Dieu de gloire, comme Abraham l'avait fait lorsque tu l'as mis à l'épreuve, en lui demandant son fils Isaac. Ce dernier n'a pas hésité de te donner son fils, Seigneur. Éternel Dieu, aide-moi à ce que ma foi puisse augmenter en toi. Qu'encore partir de ce jour, Seigneur Dieu de gloire, que je puisse, Seigneur, parvenir, Seigneur Dieu de gloire, à voir loin. À marcher sincèrement avec toi, à fixer mes regards vers toi, à m'attacher à toi, Seigneur, en mettant ta parole en pratique, Seigneur. Celle qui m'augmente la foi, éternel Dieu Tout-Puissant, aide-moi, Seigneur Jésus, à t'obéir, Seigneur Dieu, que ce soit aux yeux des hommes, qu'elle soit à l'absence des hommes, Père éternel, que je puisse parvenir, Seigneur, à obéir, Seigneur, quel que soit ce que tu me demanderas, Père éternel. Oui, Jésus, que je puisse sacrifier certaines choses dans ma vie par la foi. Merci, Seigneur, de m'aider, de soutenir ma foi. Accorde-moi juste ta grâce pour la seule gloire de ton sang. Je soupire après toi ce soir. Je soupire après toi, Seigneur, ce soir. Parce que j'ai encore soif de ta présence intarissable. J'ai soif de toi, Seigneur, sincèrement. Éternel, merci de le faire. Dans le nom de Jésus, augmente mon foi. Seigneur, que je parvienne à sacrifier mon temps pour toi, à sacrifier certaines relations pour toi, à sacrifier, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, beaucoup de choses pour toi. Oui, Jésus, rien que pour toi. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever la voix ce soir, nous allons prier. Que le Seigneur nous fasse grâce toujours. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci de ta présence, mon Fils de Dieu. Nous allons prier pour nos familles respectives. Que Dieu leur fasse grâce encore. Que ceux qui ont perdu la foi puissent retrouver la foi. Jésus. Ceux qui marchent dans l'incrédulité, que le Seigneur ouvre leurs yeux. Prions vraiment pour les membres de nos familles, que le Seigneur les soutienne puissamment. Et tu vas prier aussi
à ce que Dieu puisse intervenir dans certaines situations de ta famille. Que ce soit la maladie qui est en train de régner, que ce soit la pauvreté qui règne toujours dans ta famille, tu vas prier avec foi que Dieu enlève tout cela de ta famille. Commence à prier maintenant. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour nos familles respectives. Accorde, Seigneur, de Luca, papa, à la mienne, ta grâce, ta faveur, dans le nom de Jésus. Tu vas la localiser, Seigneur, en ce moment, Père éternel. Je prie, Seigneur, de Luca, Père éternel, que tu puisses soutenir ma famille, les soutenir spirituellement, les soutenir, Seigneur, de Luca, Père éternel, financièrement, les soutenir, Seigneur, de Luca, Père éternel, physiquement. Ils ont besoin encore de Dieu de gloire. À ce que ta présence soit renouvelée, Seigneur, de Luca, Père éternel, parmi nous, Seigneur. Dans leur lieu de travail, dans les études, Seigneur, dans les affaires, Père éternel, dans les relations, Père éternel, Dieu de puissance. Je prie que tu le gardes dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta grâce est dans ma vie. Encore ce soir. Toi qui connais, Seigneur, ce qui se passe réellement, je prie, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur Dieu de gloire, au temps, Seigneur Dieu, le cap éternel, que tu nous donnes pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Ma maison a besoin de ta force. A besoin, Seigneur Dieu de gloire, de ta puissance, Seigneur. Ma famille a besoin, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel. Parce que Dieu dit, Seigneur Dieu, et retirer, Seigneur Dieu, ce fardeau. Mon libra caria shintaria bosso caria bina shinta caria mi de brocoria shikeria da riboso coria da riboso libra shinta caria mana bosso libra shinta. Nous croyons en toi. Tu es le pourvoyeur et tu pourvois. Bien-aimé, tu vas élever pour ces personnes qui sont malades, que le Seigneur les apporte la guérison. Et si toutefois c'est toi qui es malade, tu vas commencer à déclarer avec foi que tu as la guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus. Commence à déclarer la guérison maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, Seigneur Dieu. Et je prie ce soir, Père éternel, que cette guérison, Seigneur Dieu, le gloire, soit le partage, Seigneur, de mes bien-aimés, Seigneur Dieu, le gloire, qui sont en souffrance. Là où ils se trouvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit dans ce lieu, que ce soit à l'hôpital, à la maison, peu importe le lieu, Seigneur, dans les lieux de travail, peu importe là où ils se trouvent en train de souffrir, Père éternel, je prie que tu puisses, Seigneur, oh Dieu de gloire, étendre ta main, Seigneur, qui n'est pas trop courte pour agir, Seigneur, mais qu'elle intervienne, Seigneur, pour les restaurer au nom puissant de Jésus. Et je pense, Seigneur, à ce jeune garçon, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, couché sur le lit d'hôpital, Seigneur, Père éternel, Dieu de gloire, qui a besoin d'une urgence, Seigneur, en ce moment. Je prie, Père éternel, que tu puisses venir à son secours, que tu puisses restaurer sa santé. Je déclare la guérison dans sa vie. Je prie, Seigneur, que le sang de Jésus coule dans ses veines à cet instant même. Et je déclare, Père éternel, le souffle divin souffle dans ses narines, souffle dans son corps, Père éternel, mourant éternel, Dieu Tout-Puissant. Je prie que reçois, Seigneur, ta guérison. Je prie là où il est, Seigneur, qu'un miracle, Seigneur, survienne dans sa vie, à l'instant, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que le monde des ténèbres qui réclame sa vie, Seigneur, soit vaincu au nom puissant de Jésus. Leur plan, Seigneur, a échoué. Et je prie, Seigneur, que tu interviennes dans la vie, Seigneur, de ce jeune homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es le guérisseur par excellence. Je vois Rapha et ton nom, le Dieu qui guérit. Et je déclare dans le nom de Jésus que ce jeune homme se lève, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta force, Seigneur, dans sa vie, renouvelle ses forces. Assiste le Seigneur. Que les médecins, Seigneur, qui s'occupent de lui, Seigneur Dieu de gloire, que tu les remplisses de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas de maladie incurable avec toi, Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te soient au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier encore pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur.
que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ces instants. Nous venons dans la présence de Dieu, non pas pour un homme, mais pour Dieu. Ta foi ne doit pas s'attacher à un homme, mais à Dieu. Tu vas commencer à prier que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit agisse encore dans ta vie. Au moment de l'adoration que nous allons offrir à Dieu, tu vas commencer à dire: Seigneur, manifeste-toi puissamment en ce moment-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et commence à chasser la distraction loin de toi. Commence à chasser la lourdeur loin de toi. Commence à chasser l'assoupissement loin de toi, au nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses parvenir à se concentrer dans la présence de Dieu. Afin que tu puisses parvenir à adorer Dieu comme tu l'as fait, comme tu l'as jamais fait auparavant, bien-aimé. Ce soir, tu vas commencer à ce que ta vie spirituelle puisse être transformée, changée à jamais. Qu'il y ait un changement dans ta vie, bien-aimée. Alléluia. Que la lourdeur soit vaincue au nom de Jésus. Que l'atmosphère soit libérée ce soir. Et que tu puisses parvenir à adorer Dieu au nom puissant de Jésus, en esprit et en vérité. Commence à invoquer la présence divine de Dieu parmi nous ce soir, au nom puissant de Jésus. Commence à prier maintenant. Père éternel, nous voici devant toi. Seigneur, nous venons dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, pour chercher ta face. Nous venons dans ta présence, Père éternel, pour te supplier. Nous venons dans ta présence, Seigneur, pour apporter nos requêtes à toi. Nous venons dans ta présence, Seigneur, Père éternel, pour être béni. Nous venons dans ta présence pour te louer, te célébrer. Nous venons dans ta présence, Seigneur, Père éternel, pour te donner des sacrifices de bonne odeur, au nom puissant de Jésus, venant de notre corps, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je déclare ce soir, tout esprit de distraction, Seigneur, sois banni loin de nous. Tout esprit de lourdeur soit chassé loin de ce lieu, au nom puissant de Jésus. Mais que les cœurs soient inclinés devant toi, que les cœurs soient sincères avec toi, que les cœurs soient, Seigneur Dieu de gloire, fixés vers toi, au nom de Jésus. Je prie ce soir, Père éternel, que tu nous fasses grâce par ta présence intarissable, qu'elle vienne se manifester, qu'elle vienne se manifester, qu'elle vienne se manifester, qu'elle vienne se manifester, qu'elle vienne nous toucher. Esprit de Dieu vivant et véritable, toi qui es le consolateur, Père excellent, console dans ta présence, console dans ta présence, console dans ta présence. Jésus-Christ de Nazareth, restaure dans ta présence, renouvelle dans ta présence, parle dans ta présence, au nom de Jésus. Je prie en ce moment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu prends quelqu'un dans ta présence, miracle de Dieu vivant, manifeste-toi dans la vie des personnes, au nom puissant de Jésus. Qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, que nous soyons transformés, que nous soyons renouvelés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'écris à toi, parce que je n'ai que toi. Toi et toi seul, Seigneur. Je veux, Seigneur, une double portion de bénédiction ce soir. Et c'est dans ta présence. Je veux la joie et c'est dans ta présence. Je veux, Seigneur, la paix, c'est dans ta présence. Je veux, Seigneur, mon Dieu, ma roi, Père éternel, aller au large avec toi, c'est dans ta présence. Manifeste-toi. Que ton feu m'embrase ce soir. Que les dons spirituels soient renouvelés ce soir dans ma vie. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses nous surprendre ce soir. Merci, Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, trois personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu de vous. Jésus, en plus que trois. Et nous avons ensemble, par toutes choses, nous étonnons. Nous allons prier encore, nous allons confier le groupe de louanges dans les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit les utilise pour l'avancement de son royaume. Et nous allons prier pour le serviteur de Dieu, que le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Les équiper au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous voici devant toi, nous prions, Seigneur, Dieu, regarde pour tes serviteurs, tes servantes qui vont intervenir en ce moment, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, Dieu, regarde, Père éternel, que tu puisses utiliser, Seigneur, tes enfants pour la gloire de ton sang. Je prie que tu les inspires, je prie que tu puisses, Seigneur, Dieu, regarde, tu prie les bouches, Seigneur, de tes servants ce soir, Père éternel, pour nous faire du bien, Seigneur. Que cette adoration, Seigneur, ne s'arrête pas là seulement, Père éternel, Seigneur,
sur la toiture, Seigneur Dieu, le cas, Père éternel, de cette salle. Mais que ça puisse percer le ciel, Père éternel, jusqu'à toi, là où tu es sur ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, manifeste-toi. Je prie, Seigneur, que tu utilises ton serviteur pour la gloire de ton Saint-Nom. Manifeste ta puissance en ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu, de construire. Nous allons prier pour l'interprète ce soir, les MC. Et tous ceux qui vont intervenir, que le Seigneur Dieu tout puissant les fasse grâce aussi encore en ce moment. Que le Seigneur les utilise pour la gloire de son Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ceux qui vont écouter le Wolof puissent comprendre ce que la sœur va leur transmettre ce soir au nom de Jésus-Christ. Élevons tous la voix et prions maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, le Père éternel, pour l'interprète, Seigneur Dieu, grâce à toi. Je prie, Seigneur Dieu, le Père, que tu puisses nous utiliser justement pour la gloire. Au nom puissant de Jésus, que tu puisses la faciliter, la grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Ta grâce est avec nous, Seigneur. Ta parole va agir, va toucher les cœurs, va toucher les vies. Nous te bénissons, Seigneur. Tu vas agir encore ce soir. Tu vas te manifester encore ce soir. Tu vas t'élever encore ce soir. Ton nom élevé ce soir. Nous te bénissons, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous te bénissons. Je bénis ton Saint-Nom encore ce soir pour ces moments. Merci, Seigneur. De réunion de prière, Père éternel. Sois je béni prie à que jamais. Ta présence, Seigneur Dieu, sois glorifié à jamais. Manifeste, Seigneur, dans nous te de bénissons, chef, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous t'élévons. Que ce jeudi soit différent nous des te bénissons, jeudi, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous t'élévons. Seigneur, je prie, Seigneur, que les cœurs, Seigneur Dieu, le corps, Père éternel, s'attachent à toi au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que ceux qui sont venus, Seigneur, avec quelconque problème, tu vas agir. Ils vont retourner, Seigneur, décharger au nom puissant de Jésus. Nous t'élévons, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses te manifester pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, tu es Seigneur. Merci Seigneur. Que nous toute t'élévons, Seigneur. Et l'honneur de que soir, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus que nous avons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce que amen. Tu peux acclamer très fort merci, le Seigneur, Seigneur là où tu es assis. Merci amen. Seigneur. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. À toi la gloire, le règne, la puissance et la sagesse. Au siècle des siècles. Alléluia. Continue d'acclamer très fort pour le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre sœur Aminata Lop. Que le Seigneur continue à l'inspirer et à l'utiliser pour la seule gloire de son Saint-Nom. Merci Seigneur. Nous allons à présent passer au temps de louange et d'adoration. Merci Seigneur. Et je vais laisser la place au groupe de louange afin qu'il nous conduise dans un temps de louange et d'adoration. Merci. Et je prie que ce soir le Seigneur nous donne de véritables cœurs d'adorateurs. De vrais adorateurs. Afin que nous puissions l'adorer en esprit et en esprit et en vérité. Tout à élever ici ce soir puisse toucher son cœur de Père au nom de Jésus. Alléluia. Que le cœur du Père soit touché. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Ce soir encore, nous nous tenons debout pour adorer le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous a aimés d'un grand amour, celui qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, afin que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle en Jésus. Merci. Alléluia. L'amour de Dieu est si merveilleux. Il est si grand, il est si vaste, l'amour il est de si Dieu profond. Est si merveilleux, si grand. Alléluia. Profond. Gloire Alléluia. À Jésus. Merci Seigneur. L'amour de Dieu est si grand, si merveilleux, si profond, si haut, comme on le voit dans le livre de Romains. Rien ne peut se comparer à l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux. Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder, il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder, il est si vaste qu'on ne peut le contourner.
Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oui, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oh, comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si bas qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oh, comment il est. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter, si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si bas qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, gloire à ton nom. Jésus, gloire à ton nom. Père de nos oui, mon roi, gloire à ton nom. Toi qui nous a sauvés. Et gloire à ton nom. Toi qui nous aime tant. Et pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Dieu n'a pas exigé de garantie. Ton bras de père, si tu nous as tendu, c'est pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Jésus, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, toi qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Auteur de nos joies. Gloire à ton nom, toi qui nous a sauvés. Mon Seigneur, gloire à ton nom. Toi qui nous aime tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Celui qui dit oui à cet amour reçoit déjà la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix, pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom. Sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. On t'a cloué, cloué sur une croix, tout cela pour me donner la vie. On a percé, percé ton côté, tout cela pour me donner la vie. Amen, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé.
m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Tu 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 m'as tant aimé, tu m'as sauvé. L'agneau de Dieu a été immolé. L'agneau de Dieu a été injurié. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été rejeté. Tout cela pour me donner la vie. L'agneau de Dieu a été insulté. Alléluia. Tout cela pour me donner la vie. Oh amen, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, oui Jésus, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, oh mon roi, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, mon Seigneur, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Amen, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as tant aimé. Oui, mon roi, tu m'as tant aimé. Tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Mon père m'a tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Oui, Jésus, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Oh Jésus, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé, tu m'as tant aimé, tu m'as sauvé. Yalla mungi fessa ma hol. Alléluia. Yalla mungi fessa ma hol. Meger yalla mungi fessa ma hol. Wawa. Yesu Christa dina yo ben fess. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. C'est vrai. Jésus Christ revient bientôt. Mais que yalla, yalla mon ivresse à ma mort. Mais que yalla. Je suis le talibé de Jésus. Talibé, 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 Santé à la 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 L'amour de Jésus a rempli mon cœur. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. L'amour de Jésus a rempli mon cœur.
Jésus a rempli mon cœur. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus a rempli mon cœur. Jésus-Christ revient bientôt. Gloire à Jésus. 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 Jésus-Christ revient bientôt. Oui, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, 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 Jésus-Christ revient bientôt. Gloire à Jésus, 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 Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. L'amour de Jésus remplit notre cœur. Et parce que cet amour est dans notre cœur, nous pouvons continuer à chanter. Alléluia. Et nous chantons, Seigneur Jésus, je t'aime. Moi, de tout mon cœur, je t'aime. Alléluia. Oh, nous t'aimons seulement ce soir, nous disons Alléluia. Encore. Merci Seigneur, tu es amour. Tu es amour. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Tu es amour. Alléluia. Oh, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs dont le Père cherche. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Chante-le avec moi. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Les gens de ce monde chantent pour leur star. Je t'aime, mais tu nous le chantons sais. Pour celui qui est assis je sur son trône élevé. Je te porte dans mon cœur. Nous chantons pour celui qui est élevé. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Celui qui a vaincu la mort. Yaya. Celui qui a vaincu Jésus, le péché. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya.
appui. Tu es mon appui. Tu es mon appui. Jésus, tu es mon appui. Tu es mon appui. Tu es solution. Il est solution. Tu es 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 solution. Alléluia. Tu es solution. Tu es la solution à nos problèmes. Tu es solution. Tu es solution. Tu es solution. La solution à tous nos problèmes. Tu es solution. Oui, tu es solution. Tu es solution. La solution. Les maladies, tu es solution. 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 Jésus, je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je le porte dans mon cœur. Dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon consolateur. Tu es mon consolateur. Tu es celui qui me guérit. Tu es mon maladie. Tu es celui qui me guérit de toute maladie. Tu es mon yaya. Tu es celui qui me guérit de toute maladie. Et elle est impossible à toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon yaya. Et Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya, Jésus. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Oh, nous t'aimons ce matin, ce soir. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous chantons ton honneur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur.
Mon abri, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es présent, Seigneur. Tu es notre abri, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Ta puissance est là pour restaurer. Ta puissance est là pour guérir. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jerejef Borombi. Sois élevé à jamais. Yeyakati la bafau. Un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
merci Seigneur. Tous ensemble, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Merci Seigneur. Pour mon sauveur. Pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Oui, tu es si précieux. Tu es si précieux. Oh Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Pour mon sauveur. Pour mon sauveur. Oui, pour toi, Jésus. Jésus. Merci, 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 merci. Merci pour ce que grand tu Seigneur. As fait. Tu es si précieux. Tu es si précieux. Oh, Jésus, mon sauveur. Bénévent, Seigneur. Jésus, mon sauveur. Nous te glorifions, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié à jamais. Je suis heureux. M'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je suis heureux. Non, je ne veux pas. Il est là. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Que dans tes bras. Que dans les bras. Dans tes bras. Les bras d'amour du Seigneur. Oui, dans tes bras d'amour. Il est ton père. Il est ton père. Je veux être dans tes bras d'amour. Il est ton père. Dans tes bras. Il est là. Il est là. Dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Sa grâce est là. Son amour est là. Oui, dans tes bras, enlace-moi, Seigneur. Dans tes bras. Alléluia. Sa grâce est disponible. Tout près de toi. Pour toi, pour te toucher. La grâce de Dieu est disponible. Pour agir dans ta vie. La grâce de Dieu est disponible. Tout près de toi. La grâce de Dieu est disponible. Contre ton cœur. Alléluia. Tout près de toi. Merci Seigneur. Contre ton cœur. Ton cœur nous t'a donné. Tout près de toi. Tes bras d'amour. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, nous avons une place de choix dans ta présence ce soir. Nous sommes assis à tes pieds et nous sommes contre ton cœur, tout près de toi. Tu nous enlaces de tes bras ce soir. Sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, merci Papa. Glorifié soit ton saint nom encore ce soir. Toi qui nous entoures de tes bras. Nous aimons ta présence. Nous aimons te voir agir dans notre vie. Nous aimons sentir ton amour. Ton amour, cet amour si haut, si profond, si vaste, que nous ne pouvons point comprendre, qui a donné Jésus-Christ. Alléluia. Oh, comment ne pas t'adorer, car tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Oh, tu es digne, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es digne, digne, ce soir encore, le Seigneur va te toucher. Tu es digne d'être adoré. Le Seigneur va te parler, il va te toucher, il va me parler. Digne es-tu? Merci Seigneur. La puissance de Dieu est là pour agir dans ta vie. La parole de Dieu est toujours disponible pour toucher ta vie, pour parler à ton avenir. La parole de Dieu est toujours disponible pour te parler. La grâce de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Père éternel, merci. Parce que tu es là pour nous parler. Ta parole est là pour nous faire du bien. Ta parole est là pour nous faire du bien.
Tu nous parles, Seigneur. Oh, nous disons ce soir que tu es digne. Tu nous parles, Seigneur. Que tu es digne d'être adoré. Tu vas agir, Seigneur. Adoré. Oh Père tu Céleste. Es digne d'être Seigneur. Sois élevé à jamais. Gloire à ton Sois glorifié Seigneur. À jamais. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Alléluia. Merci, Seigneur. Sois glorifié à jamais. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin que tu nous parles. Besoin que tu nous touches. Parle-nous, Seigneur. Touche-nous, Seigneur. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Touche encore, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Ton nom, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Parce que tu es là. Tu vas parler à ma vie. Tu vas parler à notre situation. Tu vas parler à la situation de mon frère. Tu vas parler à la situation de mon frère. Tu vas parler à la situation de ma soeur. Tu vas parler, Seigneur. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à ma situation. Tu vas parler à ma situation. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à mon esprit et à mon âme. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler, Seigneur. Tu vas parler, Seigneur. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas parler à mon esprit. Nous te bénissons, Seigneur. Tu vas parler à mon cœur. Nous te bénissons, Seigneur. Tu vas parler à la situation de mon frère. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute. Parle encore, Seigneur. Ton peuple t'écoute. Ton peuple t'écoute. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton onction. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Nous t'élévons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Tu vas agir, Seigneur. Tu vas toucher mon frère. Tu vas toucher ma soeur. Agis, manifeste-toi efficacement. Efficacement, sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois élevé à jamais. Sois glorifié à jamais. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Sois élevé à jamais. Merci, Seigneur. Père éternel, nous t'élévons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et gloire. C'est le moment, Seigneur. Tu vas nous toucher. Tu vas nous parler. Tu vas agir, Seigneur. Tu vas te manifester pleinement. Efficacement et puissamment. Nous t'élévons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es Abba Père. Tu es notre Père. Ta puissance est là pour agir. Ta puissance est là pour restaurer. Ta puissance est là pour intervenir. Ta puissance est là pour intervenir. Ta puissance est là pour se manifester parmi nous. Nous t'élévons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Saint-Esprit, agis encore. Esprit de Dieu, agis encore. Puissance divine, manifeste-toi pleinement et efficacement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que la bonne main de l'Éternel soit posée sur vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs.
L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Nous élevons le nom du Seigneur. Le Seigneur va te toucher. Et il va nous toucher. Il y a des gens qui veulent les prières. Et qui sont à l'hôpital. Pendant que nous allons prier ce soir. Pendant que nous allons parler de la part du Seigneur ce soir. La parole de Dieu va toucher ceux qui sont dans les hôpitaux. La main de Dieu va toucher ceux qui sont malades. L'onction va briser les jougs. L'onction va briser les jougs. La puissance du Saint-Esprit est là. Pour te libérer. Pour te délivrer. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Mon ami, écoute-moi. Je te parle de la part du Seigneur. Je te parle de la part du Seigneur. Tu ne vas pas terminer ta vie dans la flèche de Saül. Les flèches que Saül a jetées sur toi ne t'atteindront pas. Ne t'atteindront pas. Ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches jetées contre toi ne t'atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches jetées contre tes enfants ne les atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ. Les flèches jetées contre ta famille ne les atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche jetée contre toi sera brisée au nom de Jésus-Christ. Toute flèche jetée contre toi, je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute flèche de monde des ténèbres calculée par quelqu'un, calculée par la volonté d'une personne, ces flèches ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Ces flèches ne vont pas atteindre tes enfants au nom de Jésus-Christ. Toute flèche préparée pour toi, mise à bas pour t'atteindre, ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mes amis, écoutez-moi. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, le verset 7. Les femmes qui chantaient et répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Saül était fâché. La colère de Saül est rentrée dans son cœur et ça s'est manifesté par ses yeux, au travers de ses yeux. On pouvait lire la colère qu'il avait contre David. Et le Saint-Esprit de Dieu me parle maintenant. Beaucoup d'entre nous, à cause de notre succès, beaucoup d'entre nous, à cause de notre réussite, cela a suscité la colère dans les cœurs des gens. Les gens sont en colère contre toi parce que tes choses avance, parce que tes enfants avancent, parce que tes affaires avancent, parce que tout le monde parle de toi, parce que tout le monde t'élève et cela les met
en colère. Cela les met en colère. Et leurs yeux montrent leur colère. Et ils te regardent mal. Et beaucoup d'entre nous ici, il y a des gens pleins de colère contre toi et moi. Et il y a des gens avec les mauvais regards contre toi et moi. Et le lendemain, le verset 10, le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Il eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres fois. Et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa main. Saül leva sa lance. Saül disant en lui-même, dans son cœur, disant en lui-même, je frapperai David contre le mur. Je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui deux fois. Se détourna de lui deux fois. Et le Seigneur dit, le lendemain, le lendemain de la grande victoire de David, et qui a suscité la grande colère de Saül, et Saül le lendemain, un esprit démon est rentré dans son cœur. Il était comme un fou et il avait la lance entre ses mains, au plus profond de son cœur. Au plus profond de son cœur. Au plus profond de son cœur. Il se disait en lui-même. Je vais frapper David. Et le Saint-Esprit me dit encore ce soir. Beaucoup d'entre nous, il y a des gens qui sont en colère contre notre réussite. Et ils nous regardent mal. Et au plus profond de leur cœur, tu ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais dans leur cœur, ils ont résolu de te faire du mal, de te faire du mal, de te jeter un mauvais sort. Et Saül a dit avec ma lance, je vais abattre David. Mon ami, beaucoup de personnes en colère contre toi, elles se sont dit, je vais lui jeter un mauvais sort, je vais lui jeter un mauvais sort, je vais lui jeter un mauvais sort. Il y a des gens comme ça qui ne sont pas satisfaits de ta victoire. Et il ne veut pas que tu puisses vivre longtemps dans ta victoire. Ils ne veulent pas que tu puisses vivre heureux pendant longtemps dans ta victoire. Ils veulent que ta victoire soit de courte durée. Et ils ont résolu dans leur cœur qu'ils vont te jeter un mauvais sort. Mon ami, écoute-moi de la part du Seigneur. Saül a jeté la lance contre David. Il a jeté deux fois. Et le Seigneur me dit encore ce soir, beaucoup d'entre nous, des flèches ont été jetées contre toi. Des flèches ont été jetées contre toi. Saül l'a fait contre David. Et pour toi et moi, quelqu'un d'autre le fait contre toi et moi. Quelqu'un d'autre le fait contre tes enfants. Et il jette les flèches contre tes enfants. Il jette la sorcellerie contre tes enfants. Les maladies que vous avez, beaucoup de maladies que nous avons, beaucoup de problèmes que vous avez, ça vient de la colère de quelqu'un, de la jalousie de la personne, de son mauvais œil contre ton succès, quand tu as réussi, et il veut diminuer ta joie. Et il te jette la maladie. Il te jette le malheur. Il te
rejeté tes mauvaises sorts. Mais écoute-moi, mes amis. Attends ces mauvaises sorts. Quel que soit là où tu vas partir. Si ce n'est pas détruit par la puissance de l'Éternel, partout où tu iras, partout où tu iras te soigner, ça ne t'apportera rien du tout. Ça t'apportera rien du tout. La flèche qui vient de Saül, les démons qui sont envoyés par Saül, écoutez-moi très bien. Saül était quoi? Quand il jetait la flèche, il était dans quel état? Qu'est-ce qui était rentré en Saül? On dit un mauvais esprit est rentré dans Saül. Un mauvais esprit est rentré dans Saül. Parce que, un, il avait la colère. Deux, il avait la jalousie. Trois, il s'est comparé à David. Quatre, il a mal regardé David. Il a eu un mauvais regard vis-à-vis de David. Parce que toutes ces grandes portes ont été ouvertes dans sa vie. Les démons sont rentrés en lui. Et il a pris la lance pour jeter contre David. Et il a jeté contre David. Il a jeté cette épée contre David. Il a fixé David. Et il a jeté contre David. Eh mon ami, écoute-moi. Écoute-moi mon ami. Ta réussite ne t'attirera pas des acclamations seulement. Ta réussite t'attire également les flèches. Ton succès t'attire également la jalousie. Ton succès t'attire également les mauvais sorts jetés contre toi. Si tu ne viens pas à l'Éternel, si tu ne viens pas à l'Éternel, Saül était possédé des démons et David était rempli du Saint-Esprit. David était rempli du Saint-Esprit et il jouait à la harpe. Il adorait le Seigneur. Saül rempli des démons et David rempli du Saint-Esprit. Saül rempli des démons, rempli de haine, rempli de jalousie, mais David rempli du Saint-Esprit. Et il adorait, il aidait. Il était même en train d'aider Saül. Mon ami, écoute-moi très bien. Aujourd'hui, tu vas recevoir la victoire. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta victoire. Tu vas avoir la clé de ta guérison. Tu vas avoir la clé de la solution à tes problèmes. Tu vas avoir la clé de ta délivrance. David était en train de aider Saül. Il était en train d'aider Saül. En jouant la louange. Pour que Saül soit délivré. Mais Saül, rempli des démons, s'est pris à David. Il a jeté la lance contre David. Il a lancé la lance contre David. Même la personne que tu aides, même la personne que tu soutiens, tu ne connais pas l'état de son cœur. Tu ne connais pas l'état de son cœur. Beaucoup de maladies, beaucoup de malheurs qui ont frappé ta vie, qui ont frappé ta famille, qui ont frappé dans ton travail. Tu étais juste à côté de quelqu'un. Les gens que tu as aidés, ce sont ces mêmes personnes qui ont pris la lance pour jeter contre toi. Qui ont pris la lance pour jeter contre toi. Voilà l'origine de tes maladies. Voilà l'origine de tes blocages. Voilà l'origine de l'esprit de divorce. Voilà l'origine du manque d'élévation. Et l'Éternel a dit ce soir, comme l'esprit de Dieu était sur David, et David a évité ces deux
flèche. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Tu vas éviter toutes ces flèches. Au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Toutes flèches étaient contre toi. Tu vas les éviter au nom de Jésus-Christ. Je te dis pourquoi. Voilà la raison aujourd'hui. Mon ami, l'Éternel a vu ton cœur. L'Éternel a vu ton cœur. Le bien que tu as fait pour les personnes. L'aide que tu as portée à ces personnes. Sans le savoir. Ces personnes ont nourri une haine contre toi. Mais comme tu es innocent, l'Éternel a décidé que toutes les flèches jetées contre toi venant de la main des gens que tu as aidés, ces flèches ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Ces flèches ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. J'ai dit dans ma vie, en lisant la parole du Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas entre les mains de celui que j'ai aidé. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je ne mourrai pas entre les mains de celui que j'ai aidé. Je ne mourrai pas entre les mains de celui que j'ai aidé. Je ne mourrai pas à la sorcellerie de la personne que j'ai aidée. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cela n'arrivera pas à tes enfants au nom de Jésus-Christ. La maladie que tu as reçue, quelque part tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et tu étais déjà atteint par ces flèches qui t'ont donné la maladie. Qui ont donné la maladie à ton enfant. Mais en venant à Jésus maintenant, la main de Dieu est capable d'enlever la flèche qui est rentrée en toi. Cette maladie qui est venue du monde des ténèbres. Cette maladie qui est venue de quelqu'un possédé des démons. Et il t'a envoyé la maladie. Je la détruis dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je la chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je réprimande cette maladie. Je réprimande cette maladie sur toi, sur ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je réprimande cette maladie. Saül était rempli des démons. Avant que je termine, regardez mes amis. Saül était rempli des démons. La flèche que Saül a envoyée, cette flèche-là, qui était au-dessus de la flèche? Saül était rempli des démons. Il a pris la flèche. Il a jeté. Quand la flèche partait, qui dirigeait la flèche? Et qui était au-dessus de la flèche pour aller atteindre David? C'était quoi? Les démons. C'était des démons. Rawanila. Des démons. Rawanila. Des démons. Rawanila. Celui qui est rempli des démons. Si tu envoies une parole, par ces paroles, il t'a envoyé des démons. Celui qui est rempli des démons. Si il te provoque, par sa provocation, il t'a envoyé les démons. Je dis ce soir, toute mauvaise parole sortie contre toi, venant du monde des ténèbres, venant de quelqu'un de possédé, je détruis ces paroles dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis leur impact dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ.
David. Daouda. Regardez le secret, je termine avec ça. David. Daouda, s'il n'était pas. S'il n'avait pas. L'esprit de Jésus. Ou l'esprit de Dieu. En lui. David, s'il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. La flèche jetée contre lui. Venant avec les démons. Allait l'atteindre. Mais comme David avait l'esprit de Dieu en lui, lorsque la flèche est venue avec les démons, l'esprit de Dieu a alerté David. David a évité. On a jeté une flèche. Contre David. David a évité. Une flèche est venue. Il a évité. La deuxième est venue. David a évité. Parce que l'esprit de Dieu était sur David. L'esprit de Dieu me dit ce soir. Mon ami, écoute-moi. Voici la paix du Seigneur. Si tu n'as pas connu le Seigneur Jésus, si tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus, vous êtes une soixantaine en direct en train de me suivre. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, les flèches jetées contre toi ne seront détournées que par l'Esprit de Dieu. Si ces flèches t'atteignent et que tu es malade, ta guérison ne viendra que par l'Esprit de Dieu. Ta guérison ne viendra que par l'Esprit de Dieu. Tu dois faire le tour des hôpitaux. Si la main de Dieu n'est pas posée sur toi, cette maladie ne te quittera pas. Tu dépenseras tout ton argent. Parce que ces gens veulent anéantir ta joie. Ils veulent détruire ta victoire. Je te dis ce soir, ta victoire, ton bonheur, ta joie ne seront pas de courte durée au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera pas de courte durée au nom de Jésus-Christ. Ton mariage ne sera pas de courte durée au nom de Jésus-Christ. Tes fiançailles ne seront pas de courte durée au nom de Jésus-Christ. Le travail que tu as, tu ne vas pas rapidement le perdre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La santé. La santé va être une bonne santé durable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas malade de la maladie envoyée par Saül au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, j'ai cette foi. J'ai cette foi. Et je le déclare. Toute flèche de maladie, de démon, j'étais contre moi. J'étais contre toi. Ne t'atteindra pas. Ne m'atteindra pas. Ne t'atteindra pas. Ne m'atteindra pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas malade de la maladie envoyée par des démons. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Celui-là même que tu as aidé, celui-là même que tu as soutenu, il prend la flèche et il jette contre toi. Cette flèche ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Cette flèche ne t'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Mon ami, écoute-moi, mon ami. Ceux qui sont malades, passe-moi le téléphone, parce que celui qui est malade à l'hôpital, je vais prier avec sa photo ici là. Ceux qui sont malades, mettez la main sur la tête. On nous a envoyé la vidéo. Quelqu'un qui est gravement malade. Et j'ai pris le temps de prier pour lui. À 3h du matin. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour cet enfant. À 3h du matin. Ce sont les gens qui nous suivent sur Internet. Ce
internet. 3h du matin, c'est très tard. Mais le Seigneur m'a réveillé. Et m'a mis à cœur de prier pour cette personne. Et je vais encore prendre sa photo ici là. Sa vidéo ici là. Et si vous voyez la vidéo, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très pénible. Le voir combien il est malade. Combien il souffre. Et je vais prier pour lui. Demain, au même moment, je prie pour lui, je prie pour vous également. Je prie pour vous également. Parce que le Seigneur veut faire du bien. Cette maladie qui est venue par une flèche. Beaucoup de nos maladies. Beaucoup de nos blocages. Beaucoup de ces blocages. Ça vient de tout cela. Beaucoup de flèches là. Je vais prier pour cette personne. Qui est la vidéo de cette personne? La vidéo que je vous prie. Beaucoup de personnes, si tu es malade, tu mets la main sur la tête. La bonne main de l'Éternel va te toucher. Si tu as un enfant qui est malade et qui n'est pas avec toi, tu mets la main sur ta poitrine. Sur la poitrine, sur la tête. Et si tu sais là où. Quelle est la maladie de ton enfant? Si c'est le cœur, le ventre, la tête. Ton enfant, ton frère, ta soeur ou ta mère, tout ce monde qui ne sont pas avec toi. Tu poses ta main. Là où tu sais qu'il est malade, soit sur la poitrine, l'estomac, ainsi de suite, tu mets ta main. Et que je vais prier pour vous. Cette personne est gravement malade. Quand je vois la vidéo est là, on a caché la tête. Et je prie pour cette personne. Et pour tous ceux qui sont là. Et vous tous qui êtes ici. La flèche de Saül, envoyée avec des démons, n'a pas pu atteindre David. Parce que l'Esprit de Dieu était sur David et a fait éviter cette flèche. Et si toute flèche est déjà atteinte, il faut encore la main de Dieu pour l'enlever de toi, pour que tu rentres dans ta guérison. Père éternel, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. La flèche des mondes des ténèbres les a atteints. Je prie maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Cette maladie te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Quitte ton enfant maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Cette maladie te quitte. Quitte ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse cette maladie de toi. Ça sort de ton ventre. Ça sort de ta tête. Ça sort de ton cœur. Ça sort de ton sang. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ça libère ton corps. Ça libère ton corps. Je réprimande. Je réprimande cette maladie. Je réprimande les démons qui ont été envoyés contre toi et qui t'ont causé cette maladie. Je les menace. Je les menace. Je les menace. Je leur donne l'ordre de libérer ta vie, de libérer ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Libère les têtes. Libère les ventres. Libère les yeux. Libère le cerveau. Libère l'estomac. Libère le cœur. Libère les pieds. Libère le sang. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette flèche de maladie, je la retire de toi. Je la retire de toi. Au nom de Jésus-Christ. Cette flèche de maladie, je la retire de toi. Je la retire de tes pieds. Je la retire de tes mains. Je la retire de ton dos. Au nom de Jésus-Christ, ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maladie, tu es vaincu. Ta
par le nom de Jésus. Maladie, Féber, tu es vaincu Danella. Par le sacrifice de Jésus. Je chasse cette maladie de toi au nom de Jésus Christ. Cette flèche des mondes des ténèbres pour briser ta joie, pour briser ta victoire, je la brise au nom de Jésus Christ. Je la brise au nom de Jésus Christ. Cette flèche des mondes des ténèbres, j'étais contre toi pour écouter ton bonheur, pour diminuer ton bonheur. Je la brise au nom de Jésus Christ. Je la brise au nom de Jésus Christ. Cette maladie, j'étais contre toi pour prendre ton argent, pour tirer ton argent. Je l'achète de ta vie au nom de Jésus Christ. Cette maladie, j'étais contre toi. J'étais contre tes enfants. J'étais contre tes parents. Pour les faire dépenser. Pour disperser votre richesse. Pour diminuer votre richesse. Je l'achète de votre famille au nom de Jésus Christ. Amen. Je l'achète de votre famille au nom de Jésus Christ. Si cette flèche t'a touché et tu es malade à l'hôpital, chez toi à la maison, ou c'est un enfant touché par la flèche et il se trouve couché malade par la puissance du nom de Jésus Christ, par l'onction du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, je déclare maintenant cette flèche de maladie qui est rentrée en toi sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Ça sort maintenant. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus. Cette flèche sort de toi. Cette flèche de maladie, ça quitte encore. Je la retire au nom de Jésus Christ. Si tu as mangé quelque chose de mauvais venant du monde des ténèbres, c'est ça la flèche qui a été jetée contre toi. Maintenant je déclare par la puissance du nom de Jésus, tout ce que tu as mangé de mauvais, tout ce que tu as bu de mauvais, ça sort de ton ventre au nom de Jésus Christ. Ça sort de ton corps au nom de Jésus Christ. Ça sort de ton ventre au nom de Jésus Christ. Ça sort de ton ventre au nom de Jésus Christ. Ça sort de ton corps au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tout ce que tu as piétiné, qui n'est pas bon, qui n'est pas bon, ce que tu es marché sur quelque chose qui n'est pas bon, tu as marché sur quelque chose qui n'est pas bon, et c'est ça la flèche qui a été jetée contre toi. C'est ça la flèche qui a été jetée contre toi. Je déclare maintenant, là où ton pied est parti, là où tu as marché dessus, ce que tu as touché avec tes mains qui t'a amené cette maladie, et c'est ça la flèche jetée contre toi. Je détruis leur puissance sur tes pieds, sur tes mains, au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Tu as marché quelque chose qui n'est pas bon. Cette flèche méchante contre toi, je la détruis au nom de Jésus Christ. Je la détruis au nom de Jésus Christ. Je la détruis au nom de Jésus Christ. J'arrache cette flèche de toi. Et le Saint-Esprit me montre cette vision. Je vois comme cette vision comme ça. Les gens marchent avec les flèches sur le dos. Les gens marchent avec les flèches sur le dos. Les gens marchent avec les flèches sur les pieds. Les gens marchent avec les flèches dans le cœur. Les gens marchent avec les flèches sur le ventre. Les gens marchent avec les flèches sur la tête. Sur les mains. Je prie maintenant. La main de Dieu. La bonne main de l'Éternel. Par la puissance du nom de l'Éternel. Par la puissance du nom de Jésus.
Jésus. Toutes ces flèches qui sont en toi, je donne l'ordre à ces flèches de quitter ton corps. De quitter ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton corps les expulse maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton corps les expulse maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Les flèches quittent les têtes. Quitte les ventres. Quitte les mains. Quitte les pieds. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois cette tombée. Je vois cette tombée. Je vois cette tombée. Oh Seigneur, je prie encore, Seigneur. Pour ceux dont les flèches ne sont pas encore tombées. Pour ceux dont les attaques sont rentrées. Et qui ne sont pas encore expulsés. Je prie maintenant. Ça s'expulse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ça s'expulse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Restez tel que vous êtes. Les yeux fermés. Mon ami. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas appeler Jésus dans ta vie. Tu vas le recevoir dans ton cœur. Tu vas le recevoir dans ta vie. Tu vas prier avec moi. Pour ceux qui me suivent maintenant. Vous priez, vous répétez après moi. Calmement dans votre cœur. Ou ouvertement dans votre bouche. Si tu es dans la voiture, si tu es dans le train, cherche-toi à la maison, devant ton ordinateur, devant ta télévision, quel que soit le lieu où tu es, tu entends ma voix maintenant. Tu vas appeler Jésus. Que Jésus vienne dans ta vie. Pour que Jésus soit 100% ton Seigneur et 100% ton Sauveur. Dieu tout puissant, j'ai entendu ta parole ce soir. Je viens à toi tel que je suis. J'ai marché, j'ai tourné partout pour chercher la délivrance, pour chercher la guérison, pour chercher le salut, pour chercher la délivrance, pour chercher la protection. Je n'ai rien trouvé. Ce soir, j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur, dans mon Seigneur et comme mon Sauveur. Aujourd'hui, Jésus vient dans ma vie. Aujourd'hui, Jésus, je te reçois dans mon cœur, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sauve-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Je t'accepte, Jésus, aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Merci, Jésus. Ma vie est protégée. Comme la vie de David était protégée. Ma vie est protégée. Toutes flèches jetées contre moi n'aura plus affaire à moi. Parce que Jésus est en moi maintenant. Auront affaire avec Jésus. Merci Jésus. Mes péchés sont pardonnés. Je suis libre. Je suis sauvé. Merci Seigneur. Amen. 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 Et amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je vois les flèches tomber. Je vois les flèches tomber. Je vois les flèches tomber. Je vois les flèches sortir des corps des gens. Mon ami, tu marchais comme ça. Tu marchais atteint de flèches. Tu marchais atteint de flèches. Tu marchais atteint de flèches. L'Éternel t'a délivré de cette flèche. L'Éternel t'a délivré de cette flèche. Si tu étais malade, tu vas expérimenter. Dès aujourd'hui,
la guérison divine. La guérison divine. Tu vas expérimenter la guérison divine. Dès ce soir, la flèche qui t'a mené la maladie. La flèche qui a mené la maladie. À ta famille. Je la retire. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vas goûter à la guérison maintenant. Maintenant que tu as appelé Jésus dans ta vie, tu vas goûter à la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Et merci à vous tous qui êtes venus pour la première fois. Que la bonne main de l'Éternel soit sur vous. Et la grâce de l'Éternel soit avec vous. C'est la première fois que vous venez ici. C'est Dieu qui vous a permis que vous soyez ici. Depuis presque un mois, nous prêchons ce message. Et nous allons continuer encore. Nous allons continuer encore. Et la main de Dieu t'a permis d'être ici. Parce que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. Alléluia. Tous les jeudis à 17h30, nous sommes là pour la prière et pour la partage de la parole de Dieu. Et les dimanches, nous avons deux cultes. Le premier culte à 11h ici à Mbou, et le deuxième culte à 16h au village de Louli. Tant que votre temps vous le permet et votre programme vous le permet, et aussi faites violence pour que Satan ne vous décourage pas. Venez à ces moments de prière et vous serez bénis. La main de Dieu est sur vous. Rentrez avec la paix du Seigneur et rentrez avec la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur pour tous nos visiteurs. Vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les bienvenus. Toujours les bienvenus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Salvez-vous les uns des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.